Ce nouveau référentiel socle, il a été construit avec quatre grands chapitres. Quatre grands chapitres dont les intitulés sont déjà parlants. Je pense qu'il y a déjà un code là à pouvoir prélever. Premier chapitre, il considère tout ce qui s'inscrit dans la construction d'une pensée autonome et critique. Le deuxième chapitre, lui, va plutôt veiller à se connaître soi-même et s'ouvrir à l'autre. Troisième grand axe, construire la citoyenneté dans l'égalité en droit et en dignité. Et le quatrième, on est là dans s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Chacun de ces chapitres est subdivisé avec des intitulés de compétences. Il y en a 10 pour les quatre axes définis.